dans un petit village de Chine de la région de Xinjiang, appelé Le Jianfan, on trouve un petit garçon nommé Eli et sa petite sœur Lou. Depuis la perte de leurs parents, les deux enfants sont élevés par leur grand-père, qui leur apprend les arts martiaux. Un entraînement très dur, mais digne de l'opéra de Pékin et de la 36e chambre de Shaolin mélangée. La boxe aux 8 voies, la grue blanche, la boxe du léopard, le style de la mante religieuse, si petit, et pourtant les deux enfants maîtrisent déjà un grand nombre de kung-fu différents. Dans leur petit village, les enfants jouent, s'amusent souvent après l'école, mais pas Eli et Lou, qui rentrent à chaque fois s'entraîner avec leur grand-père. Les autres enfants ne comprennent pas vraiment tout ça, et le résultat, c'est qu'Eli et Lou ont peu d'amis. Si Lou se satisfait de la présence de son frère et de leur seul ami Bao le panda, cette situation pèse beaucoup sur Eli. Ah, la cloche de fin d'école sonne. Les enfants vont sortir. Regarde, Hong, c'est l'autre bizarre qui préfère travailler son truc fou plutôt que de jouer. C'est du kung-fu. C'est qu'il sait parler en plus. Oui, je peux aussi te remettre une raclée. Ouh, il fait peur. Papy, il a dit non. Oui, je sais, Lou. Allez voir votre papy, ouais. Vous êtes en retard. 30 tours de cours, dont 10 sur les mains. Mais grand-père, c'est pas ma faute. Il y avait des garçons qui... ont bloqué la route. Non mais... Alors, tu aurais pu continuer à courir jusqu'ici. Oui mais... Alors, tu cours maintenant. 30 tours. À quoi ça sert de apprendre le kung-fu, mais si on peut pas se battre? À quoi sert de se battre si l'on n'a pas appris à se battre? Je maîtrise le... Aïe, ouille! Et je ne t'apprends pas à te battre. Je t'apprends l'art du kung-fu. C'est l'art de rester droit dans l'adversité. Maintenant, cours. Oui, papy! L'entraînement est fini. Allez jouer avec Bao. Oui, grand-père. Bao! Hey. Coucou, Lou. Tu me jettes en l'air, s'il te plaît. Tu préfères moyen haut, haut, haut ou bas haut? Oh, oh, comme d'habitude. Tourbillon en plus. Ça va, petit homme? Oui, oui, je vais m'asseoir. Les enfants, allez me chercher du dangui pour la potion de Madame Wei. Il y en a dans la forêt du haut. Bao peut venir avec nous? Non, Bao doit rester avec moi. Il doit porter des choses un peu lourdes pour mon vieux dos. C'est pas en cueillant des fleurs qu'on va faire une super aventure. Toi, tu t'amuses tout le temps, toi. Il est chassé, père. Vite, ça vient de chez grand-père Lou. Allons-y. Grand-père, tu vas bien? Oui, ça va. Mais je ne peux plus marcher. Eli, ils... Quoi? Ils ont amené Bao. Bao, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ils sont partis en direction de Jiu Guangqiang, la terre des sans-sources. Vas-y, ramène-nous notre ami. Mais fais attention à toi et à ta sœur. Je te promets, le grand-père. Regarde, on voit la cage de Bao. Bao! On y va! Rendez-nous, Bao! Deux enfants contre mes 15 soldats! Oui? Allez, pousse-toi, petit, avant que... D'accord, au revoir! Mais non,
ça si on lui casse la tête. Mes soldats, il faut une tisquette. À toi, machin. Général, je suis le général Pan et je vais t'écraser. Tu es doué, petit, mais je suis plus endurant que toi. Tu as raison, on va en finir maintenant. Technique des 8 points de Shaolin. J'abandonne. Oui. Lou, va ouvrir la cage de Bao. Merci, petite Lou. Tu m'as manqué encore. Général Machin, pourquoi vous avez prié Bao? Pan, je suis le général Pan. Pour le zoo des animaux magiques de l'empereur, nous, les 10 généraux sacrés du ciel, devons trouver les animaux pour son zoo privé. Mais c'est horrible. Je crois que je sais qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Vous niez. Non, aïe, pardon. J'ai cousin gorille d'or dans forêt d'Aoki. Pas loin d'ici, lui, sûrement en danger. Alors, allons le sauver.